Wesh la mif, j'espère que vous allez bien, c'est votre Gareth comme d'habitude, on est en direct avec Wissem du Banks. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, il est fleuri. T'as capté ou pas? Aujourd'hui, une vidéo que je n'aurais jamais pensé faire de toute ma vie. Jamais j'aurais pensé m'infliger ça un jour. Et je le fais maintenant. Mais avant ça, c'est l'Aïd, Aïd me bloque à tous, bonne fête à tous, Wissem. Bonne fête à toutes les personnes musulmanes. Voilà mon frère, vous souhaite une bonne fête. Hamido aussi, vous souhaite une bonne fête. Wesh, même Vi, il vous souhaite une bonne fête. Ah là là, eh Vi, j'étais sûr que t'étais un musulman, Vi. Purée, c'est une dinguerie, hein. Du coup, thème de la vidéo aujourd'hui, j'obéis 24 heures à Wissem. Ah ouais? Ouais. Donc, pendant 24 heures, je vais obéir à mon petit frère. Il me demandera tout ce qu'il veut et je le ferai sans broncher. Des fois, par contre, abuse pas. Des fois, tu vas abuser, je te dis, Wissem, tu vas trop loin, ok? Bah, c'est parti. Tu veux quoi en premier? Déjà, il faut que, premièrement, tu me prépares mon petit déjeuner et tu me l'amènes à mon lit. Je vais te faire ça, pas de soucis. Dans ton lit? Dans ton lit? Ouais. Tu prends tes clés dans ton lit? Dans mon lit. Dans ton lit, tu prends tes clés? Déjà, broche tes dents. Déjà pas broncher tes dents. Pour le petit déjeuner, déjà je te dis ce que je veux. Tu vois le jus d'ancien, c'est que tu mets de la passoire comme ça, y'a pas de pull, ok? Ok? Oui? Arrête de faire le malin, hein. Wissem, arrête de faire le malin. Vas-y, après quoi? Tu veux quoi? Après, tu me passes une petite tartine au Nutella. Tu veux pas des céréales comme tout le monde? Pourquoi tu veux une tartine? Une tartine au Nutella. Un jus d'orange, une tartine au Nutella? Ouais. Dans ton lit? Vas-y, va dans ta chambre. Cette vidéo, je sais pas pourquoi je la fais. Raph, pourquoi je fais cette vidéo? Je sais pas. Wissem, je dois lui préparer son petit déjeuner. Quoi? Parce que là, je suis en train de faire une vidéo où pendant 24 heures, toute la journée, j'obéis à Wissem. Bon, je dois préparer à Wissem. Il m'a demandé un jus d'orange, passoire, voilà, je sais pas quoi. Que t'aimes pas. Jus d'orange dans la passoire avec une tartine de Nutella. Maman, c'est parti. Bon, Wissem m'a demandé un jus d'orange. Un jus d'orange sans pulpe. Bon, la passoire. Je peux pas te voir en même temps que la passoire. Bah, gère, tu fais les deux, non? Ah, vas-y, je fais comme ça et comme ça. Ouais. D'accord, allez, vas-y. Hop, hop. Comment il peut boire ça? Mais c'est du jus d'orange, arrête. C'est du jus d'orange. Eh, prends une cuillère. Prends une cuillère pour tourner. Touiller, tu touilles. Faire passer le truc. Arrête de faire tes têtes. C'est bon, tourne bien. Tu vas lui donner, c'est ça? Ah, eh. Et il veut quoi aussi? Une tartine de Nutella. Oh là là. Tu coupes en deux. C'est trop pour lui. Il est bon, c'est pas quand même, il est bon. Non, le pain, je sais qu'il est bon. Mais ça, c'est le pain, Nutella, jus d'orange. C'est. Diarrhée assurée. C'est du sucre. C'est trop de sucre. Trop de sucre. Et tu gagnes quoi? Rien. Tu gagnes rien. C'est gratuit. Avec tout ce qui vous a fait. Wissem, ramène-moi ça. Wissem, allume la lumière. Wissem, éteins la lumière. Wissem, elle est où là-bas? Wissem, t'es où? Wissem, ferme la porte. Le pauvre. Vas-y, un bon plateau là. Il mérite que ça. C'est pas un plateau. C'est pas grave. C'est déjà bien. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait très très mal. T'as mis de la passoire? Ouais. Sure. Bon, vas-y, va dans ton lit. Hey, tu dis pas merci toi? J'ai mis la passoire. T'es sûr? Ouais, je te jure, j'ai mis la passoire. Après, je t'ai fait ta tartine. Ça fait rien de bon. Oula, j'ai rien fait. C'est bon, tu dégustes? On a fait mes devoirs. Comment ça, fait tes devoirs? T'es fou quoi? T'as craqué ou quoi? Vas-y, l'école, c'est fini pour moi, mon gars. Sans broncher, fais mes devoirs, c'est tout. Tu crois vraiment, je vais faire tes devoirs, mon gars? Ouais. Je vais vraiment faire des devoirs. Wissem, c'est quoi tes devoirs? Tu dois traduire ça en espagnol. Vas-y. J'ai mangé avec mes parents ce matin. J'ai bien aimé. Déjà, t'as écrit ça en français? J'ai mangé. Hein? Ça fait une faute. Oh là là. Ça se voit qu'il est pas allé à l'école il y a longtemps. Déjà, est-ce que toi tu sais la traduire en espagnol? Ouais. Comment t'as écrit aimer là? A-M-E-R? Mais n'importe quoi. A-I-M-E. J'ai mangé yo. Non, on dit plus yo. Il faut retourner à l'école. Franchement. Comer. Comero. Hein? Como. Comiendo. La cabeza, la cabeza. Y'a rien dans la cabeza. La cabeza, elle est vide. C'est quoi la cabeza? La tête. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu crois, moi? Je suis espagnol. Ah, les ojos, c'est niños. Les ojos, c'est quoi les ojos? Les ojos, c'est les yeux. Bon, Wissem, j'ai mangé avec mes parents. Comiendo con Miss. Chiquita. Parentes. Parentes en chiquita. Pasta. Tu vas me faire mon croquis d'histoire géo? Avant de faire ça, j'ai une question à vous poser. Chérine, c'est quoi la capitale de la Suisse? Berne. Oh. Maman, c'est quoi la capitale de la Suisse? C'est Berne. Berne. C'est ça. Chérine, c'est quoi la capitale de la Colombie? La Colombie. La Colombie, c'est la capitale du Mexique. Soit c'est le Mexique. Écoute. Moi, je vais pas rester là parce que franchement, ça fait mal au cœur. Faut que j'aille dans. Je suis sûr d'ici. D'accord. Okay. C'est moi tranquille. J'ai une dernière question pour toi, maman. Quelle est la capitale, s'il te plaît, de la Suède? Suédia. Je veux partir. Oula, je veux pas rester ici. Je vais tuer quelqu'un. Vas-y. Sors. C'est bon, tu m'as saoulé. Je fais pas te devoir. Si tu veux. Non, je fais pas. Vas-y. Tu veux pas manger quelque chose? Ça a pas faim? Ouais, j'ai envie d'un petit McDo là, un petit McFirst poisson. On y va? Mais tu viens de manger. Bon, allez. C'est parti. Prends la voiture. Commence à prendre la voiture. Ah, tu veux venir avec moi? Vas-y, dépêche-toi, j'ai pas tout ton temps, dépêche-toi. C'est moi qui donne des.
dépêcher. Déjà, Ryan, faut que tu ailles vers la voiture, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Bonjour. Non, mais t'es genre au McDo, mon frère. Le mec, il est là, il fait 50 000 kilos, il va aller au McDo, frère. C'est parti. Reclaque la porte fort comme ça, tu vas voir. On est. On est marre. Tu sais que je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais. Non mais t'es au courant, je sais même pas pourquoi je m'inflige ça. J'aurais pu être dans ma chambre tranquille en train de regarder une petite série où je vois la play, je suis là, je te fais ton taxi. Allez, c'est parti. Eh mais attends Ryan, ça serait pas le moment de lâcher un pouce bleu? Ah bah si, ça serait le moment de lâcher un pouce bleu et de lâcher votre petit abonnement à la chaîne. Ça va? Je préfère ce visage là. Bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour madame. Ce serait pour oui, prendre une commande s'il vous plaît. Un McFirst poisson s'il vous plaît, pardon. Un McFirst poisson, frites coca. Oui, frites coca. Ensuite, s'il vous plaît, deux filets aux fiches. Une glace McFlurry nature avec nappage chocolat. Sera tout. Sera tout, ouais. D'accord, 1,55€. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça c'est un bruit, il faut qu'on. C'est le signe de. On rentre. Allez. Bon, comme vous savez, aujourd'hui c'est l'Aïd, je me une petite pause. Papa, qu'est-ce que tu penses des gâteaux de maman? Maman, normalement, elle devrait ouvrir un magasin. Et maman devrait livrer. Maman, elle fait des livraisons. Non. Elle fait des gâteaux et elle livre. Mais les gâteaux, ils sont pas un peu trop secs? Non, elle en fait un peu tout. Alors, Toti, comment tu vas? Et les enfants? Les enfants. Et ton dos, ça va ton dos? Oui, ça va beaucoup mieux, Alhamdulillah, ça va. Toti, il faut pas oublier les 6 jours, hein. Je vais te proposer un cachet. J'explique, en fait. Le mois de Ramadan, c'est 30 jours. Mon père, il va en parler à ma voisine, une sénégalaise. Elle s'appelle le 30 jours, on ajoute les 6 jours, ça fait combien? En fait, mon père, il a pas de filtre, ça veut dire. C'est pas à tout le monde pareil. 36 multiplié par 10, ça fait 360 jours. Donc 60 jours c'est quoi? C'est Addar. Addar c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. Toute une vie. Toute une vie. J'ai remarqué un truc avec la tête de Wissem. Parce qu'en fait t'as une tête spéciale. T'as une tête, tu ressembles à un mec là. Tu ressembles à un mec dans un dessin animé, je sais plus quoi. Les dessins animés Les Cassos. Tu connais ou pas Les Cassos? Non. Les gars, dites-moi en commentaire si vous vous souvenez du blast du mec là dans Les Cassos, le mec avec les lunettes. Il y a un mec dans Les Cassos avec les lunettes, le dessin animé. Tu vois pas qui c'est? Lui. Voilà, lui là. T'as la même tête que lui, frère. T'as la même tête que lui. Raph, s'il te plaît, Raph, mets truc à côté de sa tête. On regarde la caméra. T'as la même tête que lui. C'est une dinguerie. Bon, hey, les gars, hey. Les Cassos, pour ceux qui connaissent pas, c'est un dessin animé, d'accord? C'est un dessin animé qui raconte un peu les problèmes de tous les jours, la vie quotidienne, etc. C'est un dessin animé grave réaliste. Moi, j'aime trop. Et c'est en exclusivité sur Canal+. Moi, perso, je suis tombé dessus par hasard. C'est Raph qui m'a demandé d'aller regarder. C'est énervé. Raph, c'est toi qui m'as demandé ou pas? En effet. Merci. Donc, pour ceux qui ont Canal+, c'est lourd de ouf. Et pour les moins de 26 ans, t'as moins 50% sur toutes les offres de Canal+. Donc, c'est bénef. Ok. Bon, c'est bon, on a fini. Non, c'est bon, t'emballes pas non plus. Maintenant que t'as ta petite peau, c'est bon. Là, j'ai envie de jouer un peu avec des gens. Donc, si tu veux aller chercher Yabab Bleu, on ira à la maison, ok? Attends, tu crois que ton taxi ou quoi? De quoi tu crois que je suis ton taxi? On répond, non, sans brancher. Tu veux que j'aille chercher Yabab Bleu? Ouais. Pas de soucis, monsieur, je vais les chercher. Il m'a remboursé son taxi ou quoi? Eh, hey, je suis un taxi. Eh, hey, il m'a demandé d'aller chercher Yabab Bleu. Ah ouais? Je crois que je suis en taxi ou quoi? T'inquiète, moi, ça va aller. La journée, elle est bientôt finie. Je me suis transformé en Uber, frère. Je vais chercher les gens. Maintenant, je vais chercher les gens. Je vais chercher des petits, comme ça, je les ramène chez moi, je les dépose. Ouais, ça va. C'est bon, quoi, Yeb? Salut à tous. Je vais venir. C'est comment, Yeb, wesh? On est là, ça dit quoi? Bon, c'est comment? On va chercher Pablo? Vas-y. Vas-y, tiens, je te passe la caméra. Et vas-y, t'as quel âge, Yeb? Tu veux faire quoi dans la vie, tout ça? Moi, j'ai 14 ans. J'aime bien le foot. La play, simple, efficace. Comment se passe cette journée là? Compliqué, journée, non connais, hein. En fait, aujourd'hui, je dois lui obéir, t'as capté? C'est-à-dire qu'il me dit un truc et je dois l'écouter. Salut les mecs! Mais attends, tu peux me faire quoi? Ils montent avec toi? On fait comment? Bah, ils montent avec toi, wesh! Bon, mettez-vous à l'aise. Pour la caméra, après, tu te présentes tout ça. Je me présente, je m'appelle Pablo. Bon, voilà, Wissem, je les ai ramenés, tiens. Oui, Riyad, il a ramené Iheb, il a ramené Pablo. Donc maintenant, tu peux bouger de la chambre, s'il te plaît. Je te laisse une pause. Et tu me rappelles après? On verra. Non, c'est bon, bouge de la chambre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà là, avec Wissem, là et Pablo, on va faire un jeu grave simple. Ville, pays, continent. On va dire une lettre et chacun à notre tour, on va devoir dire un pays, une ville ou un continent avec la lettre A. Et ça va tourner jusqu'à que quelqu'un a plus de trucs. Et le perdant, il se prend quoi? Le perdant... Gros chiquette. Chiquette, hein. D. Je commence. Danemark. Mais trouvez D, c'est simple. Vas-y, dis-moi un pays en B à part le Danemark. Dublin.
B. Vas-y, Brésil. Barcelone. Brasilia. C'est la capitale du Brésil. Bamako. Vas-y. Bahi. Le pire, non, on fait chaque lettre. Et le père, viens, je prends une chiquette à chaque lettre. Viens, on fait que les voyelles. Vas-y, voyez, on commence par ça. Bah, Allemagne. Oh, je peux blouer, frère, tu fais exprès. Afrique. Afrique du Sud. C'est un pays, l'Afrique du Sud. Atalanta. Amérique. Algérie. Alger. Arabie Saoudite. Bon bah j'ai aussi une bonne chiquette. Chiquette. Mais lui une bonne chiquette. Bon c'est bon, vas-y, on y va. Vous rentrez, ton frère m'a appelé, il faut rentrer. Vas-y, vous rentrez là, c'est bon, c'est fini. Couvre-feu, tout ça, respectez, wesh. Vas-y, Wissam, merci. Hein. Allez, allez, on y va. Bon, ça y est, je les ai déposés. Et puis la journée a commencé à être longue. Hein. Oh là 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 là, j'ai mal à la tête. C'est ça d'écouter, d'obéir à son frère pendant 24 heures, c'est ça? J'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me ressourcer. Je sais pas comment ils font les Uber. Et d'ailleurs, grosse force à tous les taxis, en fait, à tous les chauffeurs, en fait, grosse force à eux. Commencer à faire le taxi toute la journée, déposer des gens, des trucs. Bon, Wissam, je suis KO, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut arrêter cette journée? Tu crois vraiment que ça va être terminé là? Ça te dérange, ça te dérange. Déjà, tu vas me faire un cocktail et tu vas me passer des bonbons pendant le jeu, tu vas me les donner. Un cocktail? Un cocktail. Jamais de ma vie, je te fais un cocktail. Oui, Sam, attends. Toute la journée, je t'ai tout fait. Je t'ai ramené à manger. J'ai fait tes devoirs. Je t'ai emmené au McDo. J'ai ramené tes amis ici. Ouais. D'accord, je t'ai laissé avec eux. Je sais pas ce que vous avez fait. Bref, je m'en fous. Je t'ai donné à boire un cocktail. Bon, là, on va faire un dernier truc et je te laisse tranquille. Ouais, c'est bon. Tu me masses. Je te masse. Mais je suis pas une masseuse, Wissam. Tu t'écris en Thaïlande. On répond pas. On dit oui. Wissam. On dit quoi? Une fois que la vidéo sera terminée, je te montrerai en l'air. C'est clair ou pas? T'es au courant? Mets-toi de dos, je te fais ton massage. Hé, hey, garde tes vêtements. C'est bon, c'est bien comme ça? Ouais, un peu plus en bas. Un peu plus en bas. Ah. Hein, t'aimes bien? Non, lève. Pardon, je pas fait exprès. C'est la fin de la vidéo. Comment il a respecté pendant 24 heures. Donc t'as quelque chose à dire? Je suis content que ce soit terminé. Ok, je finis le massage et je le montre en l'air. T'es mort. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Voilà. Un petit commentaire. J'espère que vous avez kiffé en tout cas cette vidéo les gars. Faites attention à vous, c'était votre garrette comme d'habitude. Sur une vidéo que je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce moment. J'ai respecté toutes les règles. Oui ou non? J'ai respecté tout ou pas? Ouais, t'as j'ai tout respecté. J'ai tout respecté. Donc faites attention à vous les gars, je fais plein de bisous. Je vais m'occuper de son cas très très bien, vous inquiétez pas, hein. J'ai bien m'occuper de lui. Et puis faites attention à vous les gars. Pas masque. Bisous. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause